Hello tout le monde, c'est Asso. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Pokroy 4. Bienvenue tout le monde. Aujourd'hui on fait quoi? Aujourd'hui on va enchaîner les missions principales. Tout à fait. Je suis en route, j'ai posé mon point, 560 mètres et quelques. Je suis en à Chopper. Et ça c'est vilain ça. Là en bas là. Hein? C'est vilain ça. Ouais, je suis sûr que c'est vilain, mais j'arrive pas à le toucher. C'est pas grave. Je n'ai pas de roquette sur moi, c'est bien dommage. Ou mon lance-grenade manuel, enfin peu importe. Un truc qui fait boum quoi, un truc qui fait vraiment des flammes et des morts un peu partout, des trucs qui volent. Ah, ça aurait été bien, mais malheureusement non, ce n'est pas le cas. De retour au temple de je ne sais où, de je ne sais plus comment tu t'appelles. En tout cas, ma mission, elle est où? Elle est là. Allons jeter un coup d'œil. Bien le bonjour, messieurs, dames. Il y a des trucs pour moi ici ou pas? Bon, déjà, il y a de la bière, c'est une bonne chose. Ils savent comment inviter les gens ici. Kirati? Oh, désolé. Je peux prendre le sac de couchage? Non, je peux pas. Très bien. Allons-y. Oui, parce qu'il faut tout tester, on est d'accord. Amita. Ajay, Longinus said this was from you, thank you. Thanks, brother. He also said the opium at the old tea factory was ready to ship. We need to wipe that poison out. Wipe it out? Are you joking? We need to secure that shipment and those fields. Amita, we talked about this. Turning Kirat into a drug state is not the answer. Sabal, we have no natural resources. What happens when we're free? The mines have been stripped, the fields have been ruined for years. So we liberate our people, then what? It's not our way, it never was. You do this, you're no better than Pagan. It's morally bankrupt. Better than being literally bankrupt. Un jour, vous voulez pas vous mettre d'accord, vous deux là? Hein? Ça faciliterait grandement les choses, ok? Alors, il y en a un d'un côté qui veut arrêter un truc d'opium et l'autre qui veut sauver la planète. Bon, on fait quoi? Hein? On fait quoi? Je sais pas. En tout cas, il y a plein de trucs à récupérer. Alors attends, déjà, on va. Pardon. Oh, tu m'arranges, toi. Ouais, prends plein de mun. Prends tout, absolument. Une seconde. Oh, de la bombe, toi. On peut toujours faire le plein comme ça ici, chez vous. C'est vraiment sympa. Je reviendrai. Une seconde. Non! Damn it. Mais rends-moi mon gun, toi. Ouais, c'est mon rocket que je veux, absolument. Du coup, sniper, check. Mitraillette, pushman, check. Revolver, check. Et rocket, check. Bien, maintenant on sauve qui dans cette histoire? Enfin, on fait quoi, plutôt? Parce que... Alors, attends. Déjà, on peut discuter avec lui. Vas-y, explique-moi ton délire à toi. Je marche? Merde. Bon, ah ben, en même temps... Fail. Asso, fail. Mais j'aime bien ton idée quand même. La drogue, c'est mal. Allons cramer la merde. Ah non, je peux encore accepter ou annuler, très bien. Mission, équilibre du pouvoir. Sabal veut détruire les champs d'opium de l'usine des Tekira pour supprimer la corruption au Kira. Si vous acceptez cette mission, vous rejeterez celle d'Amita. Ok, d'ac. Bon, alors déjà, faut tout faire péter avec lui, j'aime beaucoup. Amita, propose-moi ce que tu as à me proposer. I know this isn't the way things should be, but Kirat can't survive if Sabal keeps clinging to the past. Get to the old tea factory. Secure those fields. S'emparer des champs d'opium à l'usine d'été. Kira afin de les utiliser pour financer les activités du Sentier d'Or. Ah ouais. Alors elle veut s'emparer des champs directement et l'autre il veut tout faire cramer. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? On s'en empare pour faire un business ou alors est-ce qu'on défonce tout parce que la drogue c'est mal? En même temps, ma grande, le fric t'en as la race, j'ai envie de te dire, puisque comme tu peux le voir, j'ai offert pas mal d'armes quand même. Moi, je suis d'avis de tout faire péter, moi. Incendiaire, absolument.
Comment on fait? Comment ça marche? Comment? C'est pourquoi? Ok, cool. Vamos. Est-ce que j'ai toujours encore mon chopper? Ouais, j'ai toujours encore mon chopper de la bombe. Rendez-vous à l'usine d'été, Kira. Ok, go. Décollage, c'est parti. On va aller fumer cette truc de drogue, d'opium, de machin mal, là. Mauvais. Pas bon. Et 1 km à faire quand même. Très bien. Eh bien, allons-y. Non, ne tourne pas comme un ouf. Voilà. Pendant ce temps, vous pouvez impressionner ce superbe décor de Kirat de nuit. Magnifique. Je regrette vraiment. Il y a un truc que je regrette énormément, c'est qu'on ne puisse pas monter, voilà. Qu'on soit dans une zone vraiment, vraiment enneigée, un truc de fou. Ça, c'est un truc que je regrette un tout petit peu quand même. C'est quelque chose qu'ils auraient dû mettre. Et même dans le créateur de map, je crois qu'on ne peut pas jouer sous la neige, il me semble. Je dis peut-être une connerie, mais il me semble que non. Et ça, je trouve ça bien dommage quand même. C'est vrai que là, ils ont loupé un truc. Peut-être que ce sera fait, dans des mises à jour futures, mais honnêtement, j'ai pas ce sentiment-là. Bon, toujours est-il. Ok, on va atterrir ici, et on est bien. Voyons voir. Alors déjà... Oh! Mais chope-le toi, chope-le toi. Oh, oh, la légende. Non, rangé, parce que tu me fais chier. Parce que... Oh, il y a un snipe là-haut. Wow! Ouais, j'ai bien compris que j'étais à l'usine d'été. Ouais, bien sûr, ouais. Détruisez le laboratoire clandestin. Ouais, t'inquiète toi, je vais tout faire sauter, mon gars. Tu verras, ça va être cool. Déjà, attrapons un énorme point de vue, un truc bien, bien stylé là. Alors, toi déjà, tu es spotted. Suivant. Toi, toi, vous trois, y en a-t-il d'autres? Ah, alors toi déjà, t'as rien à faire tout seul, garçon. Voilà, première chose. Ensuite, toi là-bas, t'es aussi un peu seul, j'ai envie de te dire. Ensuite, toi aussi t'es très seul. Y a-t-il d'autres gars seuls? Tout de suite au passage, là, tant qu'on y est, parce que je suis chaud là, on est parti. J'aime pas le chien. Très bien, bah allons-y. Ah ah, on peut couper le jus par ici. Roll down de quoi? Rien du tout, mec, je te taille en morceaux, moi j'en ai rien à foutre de ce que tu me dis. Oh, je sais pas ce que ça va faire, mais dans le doute où ça pète, je préfère me casser d'ici, moi. Champ brûlé, réserve d'opium détruite. D'accord. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord libérer le secteur là. On va déjà faire un énorme carnage sur les gens qui traînent autour. Une fois que le carnage est fini, on va s'occuper des... On va s'occuper de ce qui... Ok, suivant. Je crois que je me suis un peu enflammé là. Ou peut-être juste un petit peu, mais... Il paraît qu'il y a quelqu'un. Go, go, ouais, vas-y, viens. Ouais, voilà, pas de chance. Ah bah oui, bah après garçon, faut faire ton choix, tu vois ce que je veux dire. Très bien. Moi je vous tue, moi, tous, les uns après les autres. Rien à foutre, moi. Allez, vous êtes où? Oh, grosse erreur. Ne te montre pas comme ça, ne te montre pas. Oups. Mauvais bouton, je pense. Qui c'est qui m'a spot là?
qui m'aspote? C'est le chien qui m'aspote? C'est bien ça. Non, toujours pas, non. Y en a-t-il d'autres? Ah. Oh, attends. Oh! Quoi? Et ça, c'était dans le camion, mec. Voilà, on est d'accord. Sans blague. Toi, t'es encore vivant? Hey, solide, garçon, hein. Non, mais regarde-le. Il pense même pas, mec. Y a-t-il d'autres... Ah, bien sûr que oui, y a d'autres amateurs, voyons. Voilà. La suite, s'il vous plaît, la suite. Ouais, faut tout faire péter, les gars. Qu'est-ce qui se passe? Il y a encore d'autres mecs, il y a encore d'autres mecs. Je sais, il y a encore d'autres mecs. Je les entends. Où sont-ils? Hein? Où que t'es? Pourquoi je peux pas? Ah, voilà, j'allais dire. Silence. Silence. Oh là là, il a pris une rafale lui. Eh, hey, y a beaucoup de monde quand même qui débarque là pour un champ d'opium, sérieusement. Qu'est-ce que tu dis par rapport à la factory, toi? Non mais tu vas pas monter quand même, t'es pas sérieux. Ah ben alors. Vas-y, monte. Et voilà. Ciao. Ah bah oui, ben. Est-ce qu'il y a d'autres gars qui veulent jouer? Ah, apparemment, il y a d'autres mecs qui veulent jouer. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup votre entrain, les gars. Vraiment. Je trouve ça fantastique. Salut. Oh bah, s'il en reste qu'un, après... Ah, non, bah, il en reste pas qu'un, je me disais aussi. Très bien. Ah, ouais, grenade. Eh, regarde, moi aussi, je peux... Regarde, regarde le coup de la grenade. Regarde, ouais. Hein? Hein? Eh, voilà. Exactement. Il y en a d'autres? Il y en a d'autres, bien sûr, il y en a d'autres. Quelle question. Suivant. Très bien, suivant. Et on peut faire ça toute la journée, les gars. Moi, je suis plein de munitions, je suis plein de ressources. C'est quand vous voulez. Ce sera tout. En fait, je pense qu'ils viennent à la chaîne jusqu'à ce qu'on défonce absolument tout. C'est ça qui est rigolo. J'aime beaucoup ça. Au moins, on s'ennuie jamais. On ne s'ennuie jamais, j'adore ça. Ah, intéressant. Attends, 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 bouge pas, mec. Regarde, photo. Photo. Voilà. Ah bah oui, après. Et pourvu que ça crame. Bon, merde, ce truc, là. Incroyable, ça aussi. Bon. Voyons voir. Ah, c'est pour activer la flotte et justement pour que le champ ne crame pas. C'est ça le concept? Certainement, hein. Certainement. Bon, alors attends. On va désactiver le truc électrique là. Qui est juste là en bas. Olé. Ah bah voilà, tu vois quand tu veux. Et du coup. Du coup, je pense qu'un petit. Un petit truc comme ça. Hein? Ou deux petits trucs comme ça, ça peut faire le taf. Allez. Il y a plein de coffres à gauche à droite que je n'ai absolument pas récupéré. Peut-être aller faire un petit tour, toi. Juste par là, vite fait, bien fait. Sympa, toi, le truc. Tirapté. Non, j'ai dit que je détruisais tout ce qui était en rapport avec. Ah, bah, il y a un lance-flamme, toi. Et il se lit, le camion. Hein. Fou, ça. Ah oui, c'est vrai que j'étais venu récupérer la caisse à la base. Non, à la base, je veux la caisse. Voilà. Bon, après, si tu me files le lance-flamme, ça marche aussi. Hein. C'est vrai qu'on va gagner un peu de temps pour cramer les. Bravo, bravo, Asso. Putain, ce truc, je te jure. Et c'est encore. C'est toujours pas cramé, cette merde. Moi, je te dis, on va. Tout faire cramer, j'ai dit. Voilà. C'est bon, là? Ça paraît bien, hein. Je suis d'accord. Y'en a un qui voulait jouer là ou c'est moi? Ah ouais, c'est bien ce que je pensais.
Kill the fire. Très bien, très bien, très bien, très bien. Bon. Oh la baltringue. Tu m'as réactivé le truc, toi. Viens voir là. Est-ce que c'était toi? Ok. J'y pense même pas, je te taille en deux. Bon. Ouais, non mais attends, là on est d'accord, c'est un peu cramé quoi. Bon bref, peu importe, attends. Bien. Me dis pas que ça n'a pas cramé là. Bon bref, on s'en fout, vas-y, on va aller défoncer la drogue qui est ici à l'intérieur. Ah oui, c'est le coffre que je voulais aussi récupérer, c'est vrai. Oui, je m'éparpille un petit peu, on est d'accord. Voilà, je m'éclate. Pour une fois qu'il y a plein de monde autour de moi, c'est rigolo. Non, par là. Par là. Asso. Exactement. Et la caisse se trouve où, plus ou moins? Non, t'étais pas obligé de t'accrocher, sérieusement? Ouais, voilà, alors pète-toi la gueule maintenant, c'est bien, t'as raison. Oh, ça c'est bien aussi. On repassera un peu plus tard là. Ouch. Qu'est-ce que c'était ça? Je sais pas, j'ai pas vu. On va prendre ça, on va prendre ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Il paraît qu'il y a une caisse. Fais de la place pour voir un peu là. Il y a encore des gars qui arrivent. Il y a encore des gars qui veulent jouer, c'est ça qui est bon, c'est ça qui est cool dans cette mission, c'est qu'il y a toujours des gars qui veulent jouer, c'est ça, je trouve ça génial. Ouch. Oh, il y avait encore une bombe de gaz ou je ne sais quoi là. Moi je fais tout cramer, moi j'en ai rien à foutre. Qu'est-ce que c'était? Ah ouais, ils sont quand même nombreux en fait, ils arrivent en masse. Qu'est-ce que tu veux toi? Bah oui, bah oui, bah alors quoi? Très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. Putain, t'es tout seul et tu me fais mal à ce point-là toi? Sérieusement? C'est qui tire encore? Ah, très bien. Très bien, très bien, très bien. Moi je... Et je vous tue tous, moi j'en ai rien à foutre. Et ce... Dégage! Oh, tu me fais chier! Et ce champ qui n'est toujours pas... qui n'est toujours pas cramé. Alors je sais pas quoi cramer en plus là, pour le coup. Mais apparemment, c'est pas suffisant. Excusez-moi de demander est-ce qu'il faut cramer en plus là, mais je suis pas vraiment d'accord avec vous les gars. Parce qu'on a plutôt tout cramé là en fait. Bon, peu importe. Est-ce qu'il n'y a pas un autre champ à cramer éventuellement? Non, toi t'es bien noir comme il faut. On va jeter un coup d'œil par là-bas. Détruisez le générateur pour le désactiver de façon permanente. Ah ouais. Ah c'est bon à savoir ça aussi, tiens. Vas-y, on fait le plein, voilà, on est bien. Est-ce qu'il est détruit là? On dira oui. Bon alors lui il a complètement cramé. Oh la vache, bien. Eh ben j'ai failli mourir là. Oh la vache. Je sais pas comment j'ai réussi à m'étouffer. En tout cas ça m'a fait bizarre. Bon, où est-ce qu'on en était? Ouais c'est ça. Non bah tu peux pas. Ah putain, le point il est sur la carte à ce. Sérieusement? Incroyable. Bah attends, j'ai tout fait péter moi ici. Sérieusement? Oh, t'es pas sérieux. C'est tout ce qu'il fallait faire là? Va te faire fiche. Ça va aller à la tête du sentier dehors. D'accord. Comme ça, nature. Eh bien écoute, c'est très bien, Sabal. Je suis content pour toi. Maintenant, The fields are torched. I wish I was there to see it burn. Your father wasn't just fighting for the people, brother. Oh, j'ai failli mourir. To protect the land too.
Our souls are tied into the soil and rock. That's what Amita doesn't understand. Ouais, apparemment, bah déjà, en fait, mes deux choix étaient portés sur Sabal, au lieu d'être portés sur Anita. Amita, putain, décidément. Amita, merde. Ennemi here, j'arrive tout de suite. Attendez-moi avant la fin de la partie, là. Bougez pas, j'arrive. Ouais, cours, mec, cours. Je s'occupe de tout, tu s'occupes de rien. Ça allait. Et voilà, ciao. Est-ce que c'est toi qui paye? En même temps, t'es un peu la seule qui reste, hein, donc j'ai envie de te dire qu'il n'y a pas le choix. Fais péter l'oseille, ma grande, avant que je te crame toi aussi. Eh, c'est bien. J'ai eu mon oseille ou pas? Jeton de mercenaire, très bien. Fois 1, soit. Ok, dac. Voilà. Maintenant, comment ça se passe et qu'est-ce qui se passe surtout? Je dois aller voir Amita. Compétence? Ai-je débloqué quelque chose? Non, je n'ai rien débloqué. Mince, damn it. Amita, chérie, où es-tu? Ah, tu es là. Très bien. Bon, on va descendre. Voyons voir ce que tu proposes, ma grande. Alors, avant toute chose, je vais récupérer mon RPG. Parce que quand même, faut pas déconner. Non, c'est pas dans les armes de poing. Non, un RPG, arme de poing, c'est peut-être un peu pété. Non, qu'est-ce que t'en penses? Oui, bon, pourquoi pas. Ça n'a pas encore été fait. C'est une idée. Bien. Eh ben, on va y aller en tuk-tuk. Ça me va. C'est parti. En même temps, on aurait pu aller en éléphant aussi, hein, remarquez. J'aurais été capable. Et je pense qu'elle doit me faire un peu la gueule à Mita. Ça fait deux fois que je lui refuse des missions. À un moment ou l'autre, elle va m'en vouloir. Non, vous êtes pas d'accord? Ouais, c'est possible, hein. Bon, on s'en fout, bah. C'est pas très grave. Mètres. Je me demande ce qu'elle va me proposer, si c'est une mission ou si c'est juste pour m'insulter parce que j'étais pas d'accord avec elle. Mais je ne sais pas. Et comment tu veux que je monte là-haut, moi? Wow! Hey! Oh. Et en plus, j'avais la bonne arme dans les mains pour lui dire merde. Remarquez que j'ai été sympa et que je n'ai rien fait, hein, franchement. Parce que j'aurais pu, j'étais tenté quand même. Ça valait le coup, ça? Ah ouais, voilà, j'allais dire. Bien, ensuite, comment on fait pour monter jusqu'à là-haut? Ok, on va faire le tour, c'est bon, j'ai bien compris. Y'a pas de problème. Eh, un peu de silence, ok? Amita, Sherry, où es-tu? Oh putain, comme elle est vénère. Windows don't do drugs, really? Is that it? Those fields you burnt, they weren't just drugs. They were books, they were medicine. Oh, God, we could have built a proper clinic. But no, Sabal says drugs are bad and you torch our fucking future! I don't think you understand. I'm sorry. Did I speak out of turn? Should I walk 10 feet behind you with my head bowed? You really? Didn't see Kirat before the war. I was 6 years old when my parents told me I had to marry. 6! That's the world Sabal is fighting for. Just saying. Look, Sabal is not everything he pretends to be. If he was so concerned about his tradition, why didn't he ask you to protect the statues of Kira? What? The Kira statues. The Hold strive to destroy them as part of his campaign to turn the people against the Golden Farm. Ouais, ok, d'accord. Ça, c'était en quelque sorte va défoncer les statues, quoi. Enfin, va plutôt garder les statues. Ah, c'est bon, j'ai bien compris. J'ai bien compris, chérie. Oh putain, sérieusement, c'est là-bas là-haut? C'est là-bas là-haut, tout en haut là? Très bien. Eh ben, soit, écoute, on va se trouver, on va se frayer un chemin, on va y arriver. Parce qu'en même temps, on est AJ Gale. Ouais, AJ Gale, mais Gale, c'est plus sympa.
Alors il est temps d'aller faire de l'escalade. J'ai fait un backflip avec ou c'est moi? Ah oui, j'ai fait un backflip. Et même pas mal. Hein? Alors c'est moi ou c'est pas moi? Eagle? Eagle? Non, pas Eagle. Très bien. Voyons voir. Ok, donc il faut suivre un petit peu le chemin, hein, disons, parce que visiblement on va pas y arriver tout de suite. Donc on va commencer tranquillement, comme tu veux, par ici. Rejoignez les saints endormis. Oui, bah je suis en route. Pas d'inquiétude. Grappin suivant, s'il vous plaît. Parfait. Ok, toi. Ensuite, ça doit être par là. Ouais, ça doit sûrement être par là et il va falloir faire un espèce de truc comme ça, ouais, exactement. Ouch, ça picote. Et il est tombé. Na bravo. Et je suis tombé où maintenant du coup, moi? Ok, d'accord. Bon, on va retenter l'expérience. Bah alors, c'est moi ou c'est pas moi? Bon, ouais, tu peux tomber ici ou pas? Ouais, tu peux. C'est de l'argent ça ou pas? Non? Chez moi c'est de l'argent, hein, je suis désolé. Dans ma maison à moi c'est de l'argent ça. Oh le con! Putain, je suis mauvais, je te jure. Et pourtant le trou je l'ai vu, hein, mais j'ai pas sauté. Enfin bref, peu importe. Je peux pas regrimper là-haut direct? Damn it! Laisse-moi remonter! Alors crève dans l'atroce souffrance. Non, tu veux pas mourir? Non plus, très bien. Saute par là-bas alors pour voir. Ouais, non. Eh ben, tu recommences. On est reparti. Ne vous inquiétez pas, je vais y arriver. À un moment ou à un autre, ça va passer. Wow! Ah, je viens de capter un petit truc. Alors attendez, je vais retenter l'expérience, voir si ça fonctionne. Ah non, pour le coup, ça n'a pas marché là. Très bien. En fait, j'ai fait un clic gauche donc pour monter. Au même moment, j'ai envoyé le grappin et j'avais l'impression qu'il allait vachement. Enfin, je sais pas, il est monté vachement plus haut d'un seul coup. C'était bizarre. Enfin, peu importe. T'es pas sérieux? Mais t'es pas sérieux? Vraiment, là vraiment, tu m'as vraiment fait ce coup là. Oh putain, le boulet, je te jure. Alors là pour le coup c'était vraiment pas ma faute les amis, hein. Clairement, alors là je proteste, je dis non. Là il était vraiment très con tout seul quoi, là je suis désolé. Oui, ouvre là encore une fois ta wingsuit et je te mets une patate mon vieux, mais tu n'auras jamais vu ça de ta vie. Enflure. Bien, c'est par où maintenant? C'est par là. Ouais, fais seulement King Kong toi et loupe-toi encore une fois et ça va vraiment m'énerver. Reste calme, Asso. Reste zen. Il ne s'est rien passé. Il n'est pas encore décédé, ton perso. Cela ne serait tardé. C'est un fait. Dis-moi qu'il fallait récupérer ces statues-là. D'une certaine manière. Parce que ça va me saouler si c'est le cas. Est-ce qu'il faut les... Très bien. Non. Parfait. C'est moi, je reviens sur mes pas. Ouais, tout à fait. Hein. Putain, c'est par où, merde. Attends, hold on. T'es en train de me dire que... Ouais, bah éclate-toi par terre, ouais. Ah putain. Ah, c'est... T'es sérieux. Le gars, il fait de l'escalade pendant 3 quarts d'heure pour en fait se rendre compte que la route suffit amplement pour monter jusqu'à cette merde. Toi, tu vas ouvrir la porte, mec, je te le dis, moi. Bon, qu'est-ce qui se passe par ici? Oh putain, d'accord, les gars. Si tu sors ta tête. Ouais, voilà, j'allais dire, ça va faire plus drôle.
Qu'est-ce que c'est que cette merde? Eh, hey, doucement, j'arrive pas à viser. Wow, 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 wow. 4 minutes 57, atteignez-le et neutralisez-le. Ok, ça marche. Oh, le bâtard, je l'ai pas vu. Ah, et je vais mourir. Sérieusement? Encore? Oh putain, à sauter mauvais. À sauter tellement mauvais. Je pense qu'il est l'heure pour moi d'aller me coucher, les amis. Parce que là, c'est pas bon du tout. Non, mais en plus, je vais refaire toute cette grimpette pour pas grand-chose, là. Oh là là, la frustration du mec. Sans déconner, la frustration, là. Oh, so... Oh my... Bon, remarque, c'était quand même le chemin le plus court, finalement. Mais quand même. Empêche-moi de faire une bêtise. Empêche-moi de faire une bêtise. Je suis trop de merde. Bon. Restons calmes. Oui, je suis à mon 6e épisode ce soir. Ou ce matin, selon comment tu veux le prendre, puisqu'en même temps j'ai passé une journée de merde. 1h30 de retard. Des gens, voilà, c'était un peu compliqué dans un avion aujourd'hui. Et maintenant, au moment de du meilleur moment de ma journée, n'est-ce pas? Donc à savoir le moment détente de la journée, tu viens et tu me fais chier pour de la merde en boîte ou en barquette. T'as failli ouvrir la wingsuit là, c'était un... Bref, restons calmes, tout va bien. Regarde, tu vas y arriver à ce, regarde, tu vas y arriver, c'est extrêmement simple. Tu te balances juste par là, comme ça, voilà, tout à fait. Et là, tu te lâches, exactement, au bon endroit. Là, tu n'ouvres pas la wingsuit parce que, voilà, tu préfères qu'il se pète la gueule par terre, c'est beaucoup mieux. Et tu vas tranquillement remonter et finir cette mission. Parce que c'est pas comme si l'épisode avait dépassé 30 minutes déjà, mais il a déjà dépassé 30 minutes. Alors... À un moment, il faut arrêter. Il faut simplement arrêter. Voyons voir. Reprenons. Oh, 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 oh. Ça picote, ça. Hein. Allez, ciao. Merde. Voilà. 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 Suivant. Voilà. Y a-t-il d'autres amateurs? Bien sûr que oui, qu'il y en a d'autres. Regardez-moi lui. Allez, ciao. Dans la tempe. Et ils ont tout fait péter, ces enfoirés. Ils ont vraiment tout fait péter. Bon, alors. Il me reste 5 minutes. 5 minutes qui sont largement suffisantes, à vrai dire. Où est-ce qu'ils sont, les gaillons, là? Je croyais avoir été repéré, moi. Mais apparemment pas. Du moins pas encore. Passons par là. C'est de la mule, ça? Non, c'est pas de la mule. Hein. Non, c'est pas de la mule. Nous sommes d'accord. Reste encore 2-3 mecs par là. Est-ce que j'ai... Voilà, de la greu. Vas-y, viens avec ta... Avec ton sabre de merde, moi je te tue, moi. Oh. Il me reste 4 minutes et... Quel... Voilà. Qu'est-ce que tu dis? Ah, pas compris, moi, ce que tu racontes, espèce de croûte. Oh, il y en a encore deux, là. Voilà, très bien. Ouais, là c'est du tir du, ouais, un peu n'importe comment, on est d'accord. Je fais mon maximum, les amis, avec le peu d'énergie qui me reste. Échelle. Oh, c'était un énorme fail, dis donc, cet épisode. Enfin, ouais. Alors, on est quand même arrivé au bout, mais disons, c'était moche quand même. Beaucoup de choses moches. Bien. Et voilà. Ah oui, là pour avoir des dead bodies partout, il y en a partout, ouais, je suis d'accord avec toi là. Hold tight, we're coming.
Dégage. Y'en a d'autres? Bien sûr que oui, y'en a d'autres. Oh! Next! C'est un poil emmerdant cette lumière là. Est-ce qu'il n'y a pas de. Ah! Oh! Cheese! Ah ouais! Celle-là elle a piqué, je dois avouer. Et j'en ai perdu un. Hop! Sniper, ciao. Y en a-t-il d'autres? Bon, rechargeons le roquette. Oh oh oh. Salut. Pas de bol, garçon. Qu'est-ce que tu veux, toi? Ouch, 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 ouch. Non, 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 non et non. Je dis non. Il est où, ce sniper là? Con, voilà, le voilà. Commande quoi? Salut. Qu'est-ce que tu comptes faire avec ta machette des familles, toi là? J'ai pas vraiment compris le concept. Oh, regarde, c'est comme ça qu'on snipe. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres amateurs tout de suite là dans l'immédiat? Bah, y'a pas de problème. So Ball, how the hell do I get up to the braziers? Ah ouais. Climb, brother. Climb. Climb, brother. Bien sûr, j'ai que ça à foutre, moi. J'adore climber. Bon, alors attends. On va grimper par là. Parce que ici, ça me paraît pas mal. Allumer les braseros. Les braseros. Les braseros. Je ne sais plus, je n'arrive plus à rien. Cover me. Cover me. Ouais, 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 ouais. Moi aussi, attends. Hein. Us. Suivant. Merci. Voilà, suivant. Et on peut faire ça toute la journée. Je vous le répète 100 fois, les mecs. Y a pas de problème pour moi. Hein. Sérieusement? Où es-tu? Ah. Oh, 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 oh. Ça, c'était plutôt vilain, ça. Ouais, ciao. Suivant. Regarde, ouais. Ah. Hop là. Petit bout de viande. Juste là-bas. Aucun animal a été attiré par l'appât, je suis déçu. Na, bravo. Ok. Et je tente encore des trucs, comme vous pouvez le voir, qui sont complètement inutiles au possible. En fait, on va grimper proprement, ça sera plus simple. Hein. Ouais, je pense que ce sera plus simple en fait que d'essayer des trucs à la wingsuit et au parachute et je ne sais quoi. Parce qu'à un moment, faut quand même la finir cette mission. Quoi? Il y en a encore qui veulent jouer? Merde! Putain, c'est une grenade que je voulais lancer, bordel. Voilà. Voilà. Et voilà. Est-ce qu'il y a un bestiau qui est arrivé du coup? Je sais pas, j'ai pas eu le temps de voir. Non, j'en sais rien. T'es vraiment con, hein. Oh putain, ouais, là, t'es vraiment très con, là. Oh. Multi-fail toi. Je sais déjà comment je vais appeler cet épisode. Fail, en gros, en énorme, en massif. Putain, je te jure, incroyable. Oh, je suis énervé là. Je dis ça et j'en ai rien à foutre au final. Parce que vous allez plus vous foutre de ma gueule qu'autre chose, j'en suis certain. Encore? Sérieusement? Putain les gars, mais sérieux là, j'ai pas beaucoup de temps là. Mon épisode il passe et vous me faites encore chier. Et toi t'arrêtes de me tirer dessus, tout de suite. Sors ta tête. Sors ta tête ou tu vas prendre une grenade? Ah. Très bien. Bon. Mais j'ai failli me louper hein. J'ai vraiment failli me louper là. Ouais, on va passer par là. Enfin, tu sais quoi? Là vas-y ouvre-le ton putain de wingsuit là de merde. Il va encore y rester ce con et ça va me saouler, je te jure que ça va m'énerver. Allez, j'ai plus le temps de jouer là. J'ai plus le temps de jouer. Très bien. Il est où le... Là.
Allez, allume-moi cette merde, qu'on en finisse là, j'en peux plus. Go, 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 putain, sérieusement. Les gars, je vous ai expliqué 100 fois, arrêtez et lâchez-moi le steak. Ah bah voilà, déjà. Bien. C'est bon là? Oh, mission terminée, toi. Oh, hurra! C'est qui ça? C'est Amita? Ah non, c'est Nour. Sérieusement, y'a Nour qui veut me voir? Dans sa fortress, la fortress de Nour? Où est-elle? Où est-elle? Nour? Est-ce bien toi qui parle? Ouais, c'est bien ça. Ok, eh ben les amis, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là pour le coup, ce sera vraiment pour le prochain épisode. Et ce qui est sûr aussi, c'est que je vais aller me coucher. Et il y a un autre truc qui est certain, c'est qu'il m'a saoulé. Alors meurs. Voilà, tant d'atroces souffrances. Petite merde. Ah, ça fait du bien. Ouais, comme s'il était pas assez mort, je vous l'accorde. Mais bon, peu importe. Les amis. Oui, je sais que tu veux me voir, je sais que tu m'aimes, je sais que notre amour, machin, etc. Mais Nour, notre amour est impossible, tu m'as balancé à la fosse la dernière fois. Donc va te faire fiche. En attendant, moi les amis, je vous laisse ici pour cet épisode. J'espère quand même que vous avez apprécié parmi ces nombreux fails de ma part. Épisode encore extrêmement long. En tout cas, moi je vous retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Salut tout le monde. Et le son, il est où? Il est là. Ok, vas-y. Alors là... Une fusée, le truc. Hop, nickel. Petit bonus de vitesse, peut-être. Si on y arrive. Mince, je l'ai loupé.